11. La loi de la jalousie de Dieu en cas de fausse confiance. Sheria ya wivu ya Mungu wakati ya mtu anajitegemea kama taweza nalishafanya vibaya. Fausse confiance. Mungu anaposikia wivu na wewe uko naendelea kujitegemea aseme utabiweza alors que uko déjà mu makosa. Tu es en mauvaise posture. Ukomu halimbaya. Tu continues à dire. Unaendelea kusema. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Nitaweza, nitaweza. Alors que na ingalau. Tu es déphasé de Dieu. Ulishafutwa na Mungu. Déphasé. Tu es sur une autre voie. Umekatiwa uhusiano na Mungu. Uko kwenye njia nyingine. C'est paramétré. Ilishakapangwa. Quand tu te fais une confiance de réussir. Unapojitumainia kwamba utaweza. État déconnecté de Dieu. Na ume kata uhusiano na Mungu. Ça devient pire. Mambo inakuwa mabaya zaidi. Qui l'a fait? Samson. Nani aliyefanya hiyo? Samson. La Bible dit ceci. Biblia inasema kwamba. Il disait. Alikuwa akisema. Je vais encore me réveiller. Nita amka tena. Je vais encore me concentrer. Na nitajizatiti. Je vais tuer les Philistins comme je l'ai toujours fait. Ah, nitaua wa Filistini kisi nilizoweka kuua. Mais il a oublié qu'il n'a plus de cheveux. Alisahau ya kuwa hana nywele tena. C'était paramétré. Ilikuwa ilishakapangwa. Chevelure, nywele, force, nguvu. Coupure de chevelure, kukata nywele, échec. Kushindwa. Maintenant lui avait déjà déconnecté la chevelure. Sasa yeye alikuwa alishakata nywele. Mais il avait encore confiance. Akajitumainia qu'il réussirait alors qu'il a déjà violé la première loi ici. Nalisha kanyanga sheria ya Mungu. Ukunaenda ubarikiwe na uko na mazambi. Comment tu veux être béni pendant que tu es dans les péchés? Jamais. Non. Non. Apana. C'était paramétré. Ilikuwa kilishakapangwa. Nywele. Les cheveux. Mu Filistine anakufa. Un Philistin tombe. Unakata nywele. Couper la chevelure. Mu Filistine anakubamba. Le Philistin te prend. Ukideconnecté huku. Tu déconnectes ici. Kule njoo kunatoka force. Amen. Les effets proviennent de l'autre. Tu gardes hii. Si tu gardes le cheveu. Kule kunashindwa. Là, il y a un échec. Yaka déconnecté hapa kukichwa. A déconnecté le cheveu. Akawaza vile me déconnecté. Croyait que comme il a déconnecté. Yo. Il pensait que ça va continuer comme ça. Mnaweza kama inaone kwa kazambi abatumishi. Vous savez que ça c'est un péché pour les ministres. Mishi banawaza kaseme banaweza endelea kwa na Mungu na Mungu na Mungu na balisha fanya na mazambi. Ils peuvent continuer avec Dieu pendant que ukifanya madega na unaendelea kwa na upako na ministère ya nguvu c'est que uko vrai diable. Amen. Si tu commets des dégâts et que tu continues avec le ministère puissant, c'est-à-dire que tu viens de Dieu du diable. Mutumishi wa kweli akifanya zambi upako inaendaka. Un vrai ministre qui commet le péché, l'onction qui paka sana j'y réparer njoba na patane. Jusqu'à ce qu'il va se repentir, c'est alors que ukiona mutu iko na onction. Si tu trouves quelqu'un avec na iko na vivre désordre. Et y a une vie désordonnée. Le diable incarné. C'est un diable incarné. Sasa batumishi mingi bana wazaka. Les ministres, beaucoup de ministres. Ndendelea bakia na force na upako. Bon, je vais continuer avec ma. Mais naniko nafanya madega. Et pendant que je continue avec des dégâts, ça ne marche pas de pair.